Alors, quel est l'âge selon toi propice pour une fille pour avoir les relations sexuelles? Quel est l'âge propice pour entreprendre les rapports sexuels? Après le mariage, il n'y a pas d'âge. Après le mariage, tu te maries à 12 ans, tu peux le faire. Mais à 12 ans? Si je te marie à 12 ans. Donc si tu te maries à 12 ans, tu peux le faire? Oui. J'ai les familles. En fait, pour moi, je vais dire qu'on arrache la liberté. Donc même si j'ai commencé à même à 12 ans. Alors, quel est l'âge selon toi propice pour une fille pour avoir les relations sexuelles? Le bon âge, c'est quel âge? Selon moi, c'est 18 ans. 18 ans. Donc, si une fille le fait à 14 ans, c'est pas bon? Non, non. 16 ans, c'est pas bon? Elle est encore trop petite. 18 ans pour toi, tu penses que non, là c'est bon? Oui, oui, oui. D'accord. Je te remercie, monsieur. Ok, merci. Selon toi, alors, quel est l'âge propice pour entreprendre les rapports sexuels? 7 ans. 7 ans. Tu maintiens 17 ans. Je maintiens. Ce n'est pas tout. C'est pas tard. Vraiment. C'est normal. Bon. Ok, je te remercie. Ok. Reste abonné sur le canal. Reste abonné sur la gauche. Bon, je crois que j'aimerais savoir, nous internautes, quel est l'âge propice selon toi pour entreprendre un rapport sexuel? 7 ans. En fait, pour moi, je vais dire qu'on arrache la liberté. Donc, même si j'ai commencé à même à 12 ans. Vraiment? Oui. Donc, tu n'as pas d'âge? Oui. Donc, ça dépend. Toi, tu n'as pas d'âge ici? Moi, j'ai un âge. L'âge ici, c'est quel âge? 7 ans. Ce n'est pas un peu tôt ou tard? C'est pas tôt. Ah bon? Donc, c'est parce que tu es peut-être la troisième personne qui dit ça. Comment ça? Il y a quelqu'un qui dit 20 ans. L'autre m'a dit même après le mariage, c'est 50 ans. Ça ne te dérange pas. L'autre m'a dit même c'est 12 ans. Dès que vous vous mariez. Même si tu te maries à 13 ans, tu peux faire les rapports sexuels. Toi, tu dis 17 ans, donc tu maintiens ça. Ok. Je te remercie. C'est bien. Selon toi, que dirais-tu aux internautes l'âge propice pour entreprendre les rapports sexuels? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah là, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait un mode d'emploi pour dire à quelqu'un c'est à tel âge ou à tel âge. Enfin, moi, je pense que. À partir du moment où on est prêt à assumer les conséquences qui vont avec, si je te sens prêt, tu y vas. Non, même si c'est à 15 ans, 13 ans. Il y a déjà un souci. Est-ce que la personne. Au Cameroun, je pense que la majorité, c'est 21 ans. Bon, 21 ans, en fait, c'est l'âge majeur, c'est ça? Oui. Mais en deçà, quand tu dis une personne de 15 ans, ça implique beaucoup de choses. Est-ce que la personne avec laquelle elle le fait a le même âge? Est-ce que la personne, elle est plus âgée? C'est difficile à répondre, mais je pense que il y a un minimum quand même. Donc si tu veux donner un âge, tu vas dire 21 ans, c'est ça, non? 21 ans. Ok, je te remercie. 18 ans, après le bac, je ne sais pas. Ok, je te remercie. Ok, merci. Ok. Merci. Bon, on aimerait savoir, est-ce que toi, quel est l'âge propice pour entreprendre les rapports sexuels? L'âge propice que tu dirais aux internautes, quel âge propice pour entreprendre les rapports sexuels? 18 ans. 18 ans? Oui. Ah bon? Oui. Ce n'est pas un peu tôt ou tard? Ça dépend. Comment? Ça dépend comment? C'est un peu plus clair si tu fais ça un dernier. Qu'est-ce que ça dépend? Parce que d'autres disaient 17 ans, d'autres disaient 20 ans, d'autres disaient même après le mariage. Donc, c'est que même si tu as 50 ans, tu te maries, toi tu dis 18 ans. Ça dépend parce qu'il y a les enfants à l'âge de 18 ans qui se marient. 18 ans qui se marient. Ok, je te remercie. Explique-toi quel est l'âge propice pour faire les rapports sexuels? Mariage. Mariage? Après le mariage. Waouh, merde. Là, tu es la énième personne qui dit ça. Parce qu'on croit en Dieu. Croyant en Dieu. Ok, je te remercie. Abonnez-vous sur ma gauche. Quel est l'âge
propice pour entreprendre un rapport sexuel. Après le mariage, il n'y a pas d'âge. Après le mariage, tu te maries à 12 ans, tu peux le faire. Mais à 12 ans? Si je te marie à 12 ans. Donc, si tu te maries à 12 ans, tu peux le faire? Oui, vu que tu es marié. Wow. Après le mariage, c'est plus. Wow. Donc, après le mariage, même 50 ans, ça ne dérange pas. Donc, tu peux rester à 50 ans sans faire un rapport sexuel. Ça ne dérange pas. Oui, si je me marie à 50 ans. Mais c'est un peu bizarre, toi. C'est bizarre, mais c'est la loi divine. C'est la loi divine? Oui. Ah, ok. Je te remercie. D'accord. Quel est l'âge propice pour entreprendre les rapports sexuels? Ça dépend. Hein. De nos jours, comme il y a encore la communication dehors, donc ça dépend. Mm-hmm. Donc, toi, tu n'as pas d'âge? Quand tu as posé un enfant aujourd'hui, tu as autre chose dedans. Ça dépend, ça dépend. Je ne peux pas donner l'âge à une personne. L'âge. On avait dit 16 ans. 16 ans. Oui, 16 ans. Oui, 16 ans. Waouh! Mais tu es la énième personne qui sait. L'autre dit 17 ans, l'autre dit 20 ans, l'autre dit 50 ans pour le mariage, ça ne dérange pas. Toi, tu dis 16 ans. Non, 16 ans pour la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, pour toi, 16 ans, ce n'est pas un peu tôt. Et que l'enfant vienne à 12 ans, il est déjà, il peut se remettre mieux 16 ans. Ah bon, 16 ans? Oui. Ok, je te remercie. Ok. Merci beaucoup. Bon. Quel est l'âge propice pour entreprendre les rapports sexuels? Toi, quel est l'âge propice pour entreprendre les rapports sexuels? 15 ans. 15 ans? Waouh, c'est pas un peu tôt. C'est non, pas un peu tôt. Pourquoi? 15 ans. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient que 16 ans, 17 ans, c'est 18 ans même, c'est bon. Non, non, non. Chez les hommes, oui, mais chez la femme, non. La femme doit commencer plus tôt. Tu trouves que 15 ans, c'est bon? Oui. Ton point de vue? Ok, je te remercie. De rien. Parce que quel âge propice pour entreprendre un rapport sexuel? Ça dépend de tout un chacun, l'évolution du corps humain. Moi, mais très, généralement, c'est environ 20 ans. Moi, selon moi, c'est 20 ans. Tu ne crois pas que 20 ans, c'est un peu tard? Parce que les gens jeunes ont dit que 20 ans, c'est tard. D'autres disent que 16 ans, d'autres disent 17 ans, d'autres disent 18 ans. Tu es la première personne qu'on rencontre qui dit 20 ans. 20 ans, 20 ans, c'est pas tard parce qu'à 20 ans, déjà, tu as eu toute cette occasion-là de bien apprendre de la vie. Et maintenant, se lancer dans ça sans ne pas être conscient de ce que tu fais. Parce que nous sommes tous d'accord que entretenir les rapports sexuels, ce n'est pas quelque chose qui demande une maîtrise particulière. Donc, il y a avoir un certain niveau moral, moral 20 ans, on est déjà assez conscient. Donc, tout à 20 ans, c'est l'âge pour fils. Okay, je te remercie. La voix des sans voix, l'éclaireur de conscience africaine.